direct et en pétard. Il n'y a plus de lait pour mes céréales. Et alors? T'as plus de jambes pour aller en chercher. Marina? Debout là-dedans. Quelle heure il est? 9 h. Bon, allez, tu viens. Une taf. J'ai passé une soirée trop géniale hier. Ouais, je sais, merci. On va faire le thé. Oh. Moi, j'avais un piquet de grève à assurer et un copain taré à éviter. Oh. Bon, ça va, j'y vais. Tu sors toujours avec ce branleur, ça m'étonne. Oh. Arrête, tu le connais même pas. Stuart, lui, au moins, il croit en quelque chose. Moi, il est... intense et passionné. Lui, il est tellement pas intense qu'il tient à peine debout. Oh, Ben est gentil. Tu connais pas ta chance. J'en voudrais un comme lui. T'as une lettre? Ah, c'est vrai? Ah, c'est de Nat. Et... Ah! Oh, désolée. Tu fais ça tout le temps. Petite sœur, devine quoi? Ben voilà, ton grand frère est amoureux. Elle s'appelle Isabelle. Elle est française. C'est une actrice. On a tous les deux fait de l'urticaire ici. Elle est exceptionnelle. Elle porte des pantalons corsaires et elle récite du Racine au Plumard. C'est quoi du Racine? C'est un écrivain. Du Racine au Plumard. Et elle soigne mes blessures aussi. Mais là, elle est repartie à Paris pour passer une audition. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Elle est plus dingue que toi. Enfin bref, je t'enverrai une carte postale de la Tour Eiffel. Je t'embrasse, Nat. PS. Allô? Ah, ça y est. PS. Dis à Oli que je l'embrasse aussi. Ok. Ouais, à plus tard. C'était qui? Rob, du bar de la sauce des étudiants. Il est grassouillet, mais trop cool. Faut y aller maintenant. Viens. Nat, t'as l'air d'être plutôt heureux, hein? Ouais, super. J'aimerais qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Mais s'il tienne toujours. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir. Aimer. Et mourir. Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, avec une bonne cure d'antidépresseur, on peut très bien s'en remettre. Ou bien, si ça ne marche pas, 25 ans de psychanalyse. Vous vous dites sûrement, pourquoi doit-on subir leur insécurité viscérale et leur névrose édipienne? On a déjà ça avec nos mecs, ça suffit. Rappelez-vous qu'il est tout à fait aussi pertinent de parler de Lou Reed ou d'Adam Hunt dans vos dissertations. Il dit ce que Barthes disait il y a 30 ans et ce que Baudrillard dit aujourd'hui. Bon, des questions. Oui, la jeune fille en gilet vert. Oh, oui. Pensez-vous, en tant qu'enseignant en littérature, qu'une approche déconstructiviste des textes met le lecteur à distance des émotions qu'il pourrait oui, ressentir? Oui, très bien. C'est une question très intéressante. C'est la question. Comment vous appelez-vous? Oli Rossmann. Oli. Excellent. Voyez-vous, ce qu'il faut retenir avant tout quand on aborde la critique littéraire, c'est le rôle que joue l'inconscient. Évidemment, le... Est-ce que tu peux... Je croyais que la présidente nous accorderait un local pour ce projet. Oh, Oli, c'est rien. Oh, Stuart, non, je savais pas que... Non, on doit travailler avec notre prof. Viens. Oli, je t'appelle, d'accord. Achetez Socialist Worker, la presse militante. Oh, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Adamant, je blaguais. Épargnez-moi ça, je vous en prie. En tout cas, moi, sérieusement, je pense que c'est super important d'avoir une réaction viscérale face au texte. Mais c'est une approche trop réductrice, enfin. Oui, beaucoup trop réductrice. Non, je suis pas d'accord. L'émotion exprimée doit primer, surtout. Comme dans Tarkovsky. Vous connaissez... Oh, oui, j'adore Tarkovsky. C'est vrai? C'est mon réalisateur préféré, avec Bergman. Je suis en train de lire l'autobiographie de Bergman. Ah oui, moi aussi, c'est dingue. Excellente, cette chanson. Faut absolument que je me trouve un plan cam. Bah, si c'est pour de la coke, c'est facile, je peux vous trouver ça. Vous avez vu Nostalgia? C'est mon Tarkovsky préféré. Ouais, c'est pas très surprenant, elle aime broyer du noir.
C'est écrit sur son CV, hobby, souffrir et broyer du noir, hein, Oli? J'adore broyer du noir. Vous êtes juive, non? Pourquoi? Faut qu'on aille au cours de sémiotique. Oli, est-ce que tu viens? Vous ne devez pas aller en cours? Non. Un autre verre? D'accord. Bien. Quel con, lui, alors. Tu m'étonnes. Il se prend pour le centre du monde. C'est un gros frimeur. Ah, regarde, c'est ton robe qui tient le bar. Où ça? Là. Ah, c'est fini avec lui. Ah ouais. Ouais. C'est une question très intéressante, non? Oui, d'ailleurs, c'est même la question, la seule question qui compte. Oli. Rosemann. Livraison spéciale. Oh, merci. Parfait, excellent. Écoutez, on est plusieurs à aller en boîte samedi. Vous voulez venir avec nous? Ouais. Sérieux? Ce sera l'occasion de prendre un peu de ça. Bon, alors à samedi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Oli, c'est bien meilleur que ce qu'ont fait les autres étudiants du premier cycle. Non, je suis pas contente de moi. Je trouve que j'ai pas été très claire dans la partie sur le désir et la métaphore et l'intégration. Vous voulez prendre un café? Oui, d'accord. Ok. Vous avez tout? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Juifs sont plus névrosés? Pas du tout, non. Je n'ai jamais été intéressé par les jeunes filles juives quand j'étais au lycée. Mon type, c'était des filles du genre divinité Renan, blonde, inaccessible. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Est-ce que vous considérez ça comme une névrose? Sans aucun doute. Ouais. Vous savez, je crois que ça m'aiderait beaucoup si je vous montrais une dernière fois mon brouillon avant de... D'accord. De rendre le tout. Ouais. Vous voulez venir dimanche prendre le thé? Oui, d'accord. Super, merci. Mon sac. Oh. Au revoir. À plus tard. Oh, tu te rends compte qu'il y a des filles qui couchent avec leur prof? Vraiment, il y en a qui sont prêtes à tout, hein? Toi, t'es du genre à le faire. Mais tu sais, avec les mecs, il y a une règle d'or, c'est de ne jamais être soi-même. Il faut se donner un genre, par exemple. Profonde et distante, c'est dans tes cordes. Merci. Et si finalement je sortais avec toi, Eben? T'as encore l'air un peu malade, Oli, tu sais. C'est vrai? Ouais, tu devrais rester au lit avec un bon bouquin. Bon, à tout à l'heure. Ouais, ok. Et lui, c'est Daniel Monde. Touriste. À tout à l'heure. C'est dans l'adéquation entre désir et réalité que les mouvements révolutionnaires trouvent leur force. Ne croyez-vous pas, Daniel?
complètement HS. Quand j'étais petite, je regardais souvent mes parents en train de dormir. Quand ils étaient encore ensemble. Ils ne le sont plus. J'arrive pas à imaginer que tu étais petite un jour. Non, Marina, faut qu'on soit très prudent. Si ça se sait, j'aurai des tonnes de problèmes. Je le dirai à personne, promis juré. Mon mot préféré, c'est clandestin. Ok. Ton mot préféré, c'est quoi? Dormir. Je suis un vieil homme, tu sais. Non, c'est pas vrai. Non. Non, t'étais pas un vieil homme la nuit dernière. Oui, mais c'était la nuit dernière. Quoi? Cette coke était fabuleuse. Faut que je dorme. Faut que je récupère. À plus tard, je te rappelle. Salut.